Saviez-vous que certains cours d'eau côtiers du Pas-de-Calais accueillaient des saumons atlantiques? En effet, le saumon naît en eau douce, migre vers l'océan, puis retourne en rivière pour se reproduire. Le chemin parcouru par les saumons qui survivent à cette quête effrénée vers la reproduction est l'un des plus grands exploits de la nature. Les saumons peuvent nager plusieurs milliers de kilomètres pour retourner à l'endroit où ils sont nés. Ce périple n'est pas sans danger. Nous vous invitons ainsi à suivre le parcours de Salmon, notre petit saumon atlantique du Pas-de-Calais. Bonjour, moi c'est Salmon, je suis un saumon. Oui, regardez bien là, dans l'œuf, c'est bien moi. Il fait bon de pouvoir enfin s'alimenter, après avoir séjourné dans mon nid. Un peu d'aventure, j'ai envie de découvrir et d'explorer d'autres lieux ou espaces que ma rivière. Je me sens tout bizarre, quelque chose se passe. L'appel de la mer se fait de plus en plus sentir. Attention Salmon, ta route ne sera pas sans risque. Voici trois truites fario qui ont l'air bien décidées de te manger. J'ai failli me mettre sur le carreau. Je suis un peu groggy, mais courage, j'y suis presque. Et bonjour, truite de mer. Le chemin se sépare ici. Pour ma part, je m'en vais au large du Groenland et des îles Féroé. Fais bonne route. La nourriture ici est providentielle. De plus en plus chaud. Je dois fournir plus d'efforts pour me rassasier. Où se cachent mes crevettes favorites? Il est temps pour moi de rentrer à la maison, ma belle rivière du Pas-de-Calais. Bonjour, je m'appelle Lampetra. Je suis toute seule. Ça te dirait de m'accompagner et de faire un bout de chemin ensemble? Bien sûr, pourquoi pas? Oh, merci beaucoup. Pour te remercier, approche-toi que je t'embrasse. Ah, fuyons, il y a bien trop de temps! Voilà qu'elle recommence son rôle de charme, pauvre Alose. Allez, encore un petit effort avant d'exhaler le doux parfum de ma rivière. J'y suis presque. Si petite, d'où venez-vous comme ça? Nous venons de l'alerte des sargasses. Nous voguons en gré des courants marins pour enfin s'établir et grandir dans les cours d'eau du Pas-de-Calais. Peut-être que nos parents, des anguilles argentées, ont vécu dans ces mêmes cours d'eau. Nous nous efforcerons de nager dès lors que nous sentirons les eaux douces des estuaires des cours d'eau du Pas-de-Calais. Eh bien moi, je connais bien ces rivières. J'y suis né. Je me fie à mon instinct et à mon sens de l'orientation pour retrouver la rivière qui m'a vu naître. Bacom, retournons à la maison. Quelle est donc cette jolie chose colorée? La tentation est bien trop forte. Je veux y goûter. Oh, mais que se passe-t-il? Je suis contraint à nager vers la berge. Suis-je perdu? Tu as eu de la chance cette fois-ci, Salmon. Il s'agit d'un pêcheur no-kill. C'est-à-dire qu'il remet ses captures à l'eau. File donc vite reprendre ta route. Cette voie est donc sans issue ?
Il semblerait que ta chance s'arrête ici. Heureusement, ce barrage a été aménagé. Regarde bien, Salmon, il y a une passe à poissons. Depuis des siècles, les rivières ont été aménagées et maîtrisées par l'homme. De nombreux ouvrages ont été érigés et modifiés pour produire de l'énergie, permettre la navigation, prélever l'eau pour l'irrigation, stabiliser le lit des cours d'eau, se prémunir contre les inondations, ou encore développer les loisirs nautiques. Tu n'échapperas pas à cette règle. Tu n'as pas le choix, tu dois sauter. Souris, tu es filmé dans un système de vidéocomptage. Cet effort semble t'avoir épuisé. Mais ne t'arrête pas ici, tu y es presque. Courage! Regarde, tu vas avoir de la compagnie. Il semblerait bien que notre cher Salmon soit amoureux. À leur tour de faire leur bout de chemin. Nous pouvons partir sereinement. La relève est assurée.